Hey, salut, vendredi, enfin, 6h, 18h, je suis venu pour tourner le courrier du jour plus tôt, mais je suis arrivé et la batterie était déjà à terre, donc voilà, alors mon studio est carrément full bordelique, j'ai le trou de cul en dessous du bras, fait que si je pète, je risque de m'étouffer. Alors, c'est ça. Là, j'ai demandé à mes figurantes d'aller dans leur chambre parce que là, j'étais comme plein le cul. Tu sais, c'est comme ça s'énerve, là. T'sais. Mais ils partent demain. Je pensais qu'ils partaient aujourd'hui. Moi, je commençais déjà ma peinture aujourd'hui. Puis, c'est ça. Là, ça a l'air qu'il faut que j'attende à demain. Donc, ma femme me donne 5 jours de travaux, mais j'ai 3 jours pour les faire. Hein? Puis là, elle me donne 80$ de budget pour acheter ce qu'il faut. Puis si je fais pas ça en 3 jours, il faut que je rembourse. Merci. Alors, voilà, courrier du jour aujourd'hui, un seul envoi, ça vient du, pas du Delaware, mais de Delaware, Ohio. Ohio! Alors, de Jody Acree, qui a accepté mon offre, je pense qu'il demandait 45$ pour cette magnifique, j'espère qu'elle n'est pas maganée. Non, elle semble en parfait état. Ah, tu vois, ça c'est... On va regarder. Ah, tabarnak. Tabarnak. Fuck. Oh, ok. Excusez, on va essayer de découvrir comment ils ont tapé ça. Pour la défaire adéquatement sans l'endommager plus qu'elle l'est. Voilà, donc. Ça, c'est pas trop pire. La signature est vraiment dessus, mais je ne sais pas si on va arriver à voir ici, là. Voyez-vous, ça a été, il y a comme une encochure. Ça me met en tabarnak. Je l'étais déjà, donc là, je le suis juste plus. Puis, j'aurais espéré une carte recto verso, étant donné que c'était faite par Upper Deck, mais semble-t-il que non. Alors, si vous ne l'aviez pas reconnu, une belle Iron Egg Blade auto. Black Diamond, donc qui provient de la convention annexée dans le cadre du Majeur Étoile finalement à Columbus. Alors, je vais être pris pour écrire à la personne. Alors voilà. Papom. Yaguerre qui change d'adresse encore une fois. Yaguerre est rendu en Floride, justement, avec notre bon ami Aaron. Et c'est ça. Il y a eu quelques mouvements de personnel dans les dernières 48 heures. David Clarkson, la grosse erreur majeure de Toronto. Qui est échangé contre Nathan Horton, un joueur fini avec une maladie dégénérative. Ça, vous en pensez quoi? Moi, personnellement, là, l'impression que Toronto fait ce move-là pour alléger sa masse, puis c'est clair que Horton ne fait pas partie de leur projet. Selon moi, Horton ne fait pas partie de leur projet. Et de l'Obar Clarkson, ils vont peut-être finir par racheter son contrat, parce que selon moi, il ne sera jamais capable d'accomplir quoi que ce soit dans la Ligue nationale, ou de peut-être jouer un peu les joueurs de quatrième trio, là, comment est-ce qu'ils appellent ça? Des joueurs d'énergie. Alors, voilà. C'est ça. Donc,
je vais abréger la capsule d'aujourd'hui en raison de des multiples travaux que j'ai à faire. J'ai une tonne de vaisselle. J'ai vraiment, vraiment, vraiment une tonne de vaisselle. J'ai la chambre des filles qu'il faut que je nettoie avant de peinturer demain. Puis c'est ça, je pensais que la belle-mère venait y chercher aujourd'hui. Je m'attendais à ce que la belle-mère vienne les chercher aujourd'hui. Je crée, aujourd'hui, je vais comme placer mes choses relax. Demain, le beau-frère va venir me donner un coup de main. On va démonter les lits, puis tout. Puis descendre les meubles qu'on aura plus besoin. Et commencer à procéder. Au moins, donner une première couche demain, puis finir ça dimanche. Puis avoir 2-3 jours en amour avec ma femme. Mais non! Fait que, voilà. Donc, sur ce, je vais en profiter pour saluer un peu plus nos petits amis d'Amos. Jonathan Croteau et sa gang d'Amos. On parle du moins 40 Abitibien. Donc, Patrice, Carl, salutations. Je vous invite à me faire un beau petit dessin. Puis, idéalement, un dessin de hockey, si vous êtes capable. Quand j'avais votre âge, moi, je trippais sur le hockey. Je trippe encore sur le hockey, mais je faisais faire des dessins. Là, c'était ma passion, des dessins de hockey. Là, je prenais une carte de hockey ou une photo dans le journal. Là, j'essayais de la reproduire. Là. Okay, mon kick, c'était de dessiner des rencontres canadiennes nordiques. À l'extérieur, est-ce que j'étais un visionnaire? Ça, je ne sais pas. Il aurait fallu que je fasse ça, Montréal-Boston. Ah, fait que c'est ça. Puis qui sait, Jonathan m'enverra ça, ben, je vais avoir votre adresse. Donc, je vous enverrai un petit quelque chose d'adresse au retour. Fait que voilà. Donc, pas de promesses, là. Hein? Promesses grosses comme le bras. Hein? Gros comme le bras, là. Ça veut dire. Attends, le bras, il commence là. Donc, 10 pouces d'avant-bras. Oui, ma femme me dit toujours que j'ai des petits bras. C'est surtout ici, là. Tu sais, j'ai quoi? J'ai 8 pouces du coude à l'aisselle, j'ai 8-9 pouces, là. Fait que, tu vois, pas bien à marcher, le monsieur. Et, fait que, voilà, c'était le courrier du jour. Je souhaite à tout le monde une bonne fin de semaine. J'attends du courrier, notamment de mon bon ami Jamie Northrop, les cartes du Trilogy de la semaine passée, vendredi. C'est parti lundi. Sauf que, étrangement, de Montréal à Montréal, Laval-Montréal, c'est très long. Il y a comme un ralentissement. D'après moi, ils sont payés sur le pont de la 25, puis ils n'ont pas payé, ils n'ont pas leur petite vignette. Là. Voilà. Sinon, demain, un excellent match demain, les Leafs! Enfin, Canadiens Leafs, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ben, ça va. Fait que ça va faire du bien. Ben, je pense qu'ils se sont vus. Je l'ai juste pas suivi le match. Ils se sont vus le jour du National Hockey Day. Donc, c'est souvent que je dis n'importe quoi. Et puis, voilà. Y a-tu quoi là? On est. C'est ça, 40e victoire du Canadien. Donc, ça va bien. Go, Habs, go. On lâche pas. Upper Deck Série 2. Est-ce que vous avez ouvert du Upper Deck Série 2? Qu'est-ce que vous avez pogné dans votre Upper Deck Série 2? J'aimerais ça le savoir. Moi, j'ai participé à un break hier de mes bons amis de 514AB pour ne pas les nommer. Oups, ça, c'était un dessin. Donc, 514AB ou 53-29. Au coin de la 43e sur Bélanger, là. Fait que j'ai pogné. Oh, et puis ça en plus, j'ai pas été chanceux hier. Mais j'ai pas à me plaindre. Il y en a que ça a été pire. Hein. Mais 2-3 Rocco Grimaldi. Y en a-tu qui connaissent pas Rocco Grimaldi? Non, c'est pas un clown. Un clown italien. Non, c'est pas un clown italien. Rocco Grimaldi, c'est un joueur qui a à peu près le même physique que papa Johnny Hockey, donc Johnny Gaudreau, 5 pieds 7, pas ben, ben gros non plus. Puis, c'est ça, c'est un
petite boule d'énergie, là, un peu comme Johnny Hockey ou Brendan Gallagher. C'est un joueur qui a fait sa marque dans le college américain. Puis, c'est un choix de deuxième ronde. Choix de deuxième ronde en 2000. On est quoi là, en 2015? Je pense que c'est un choix de deuxième ronde en 2013, si je ne me trompe pas. Fait que, voilà. Je l'ai payé trois fois au Peachy Retro. Et deux Ekblad, là, je serais content. En fait, un petit peu content. Deux Ekblad dans nos Peachy Retro. Payé une belle Quentin Howden jersey. On est toujours dans l'Upper Deck Série 2. Donc, mais aux couleurs de Team Canada, deux couleurs, rouge et blanc, il en va de soi. Et donc, celle-là, elle est à échanger. Si quelqu'un ramasse des Team Canada ou du. Qui veut faire le set, le master, entre autres, des Upper Deck. Oui, la Rookie Portrait de Aaron Ekblad, ce qui m'a littéralement. Été un bon sur ma soirée. J'étais content parce que j'étais comme absorbé par le break. Je suivais un peu le hockey, mais vraiment absorbé par le break. Puis, c'est ça. J'ai comme. Tu sais, quand tu vois les autres, là, je pense que le gars qui a pogné Drouin, qui avait Tampa Bay, a pogné 3 Drouin Young Guns. Le gars qui avait Vancouver a pogné 2-3 Horvat Young Guns, dont la exclusive. Puis moi. Très maigre récolte, mais j'en ai à peu près pour mon argent. Donc, je suis pas. Salut, mademoiselle. Je suis pas super gagnant, mais je suis pas perdant. C'est ça l'important. Je me trouve à avoir eu du plaisir, finalement. Fait que c'est ça. Alors, on souhaite une bonne semaine de relâche aux enfants des écoles primaires et secondaires. Il y en a que c'est la semaine prochaine. Mais mes filles, c'est cette semaine. Ben cette semaine, en fait, la semaine qui va commencer lundi, malgré qu'ils ont déjà eu une première journée aujourd'hui. Et puis, c'est pas mal tout. Donc, sur ces bonnes paroles, chers amis, un bon week-end, un bon match demain soir. Je vous souhaite de très beaux breaks parce que là, la fin de semaine est propice à ça. Il va y avoir des breaks partout. Je rappelle que j'ai un. Et toi, tu dois peinturer. Oui, merci de me le rappeler. Je rappelle que j'ai un Raz de la Bobby Orr recrue. On est présentement à 42 spots sur 450, là, disons plus 400. Puis j'avais dit jusqu'à la fin février, finalement. Je risque d'étendre ça jusqu'au. jusqu'au 4 du 4. C'est Bobby Orr! Donc, jusqu'au 4 avril, peut-être, à moins que ça se remplisse avant. Papa, j'ai également toutes mes. Papa, quoi, mon cœur? Il y a une mouche dans nos chambres. Il y a une mouche dans ta chambre? Oui. Chanceuse, toi. Hey, une mouche à cette période-ci de l'année, c'est rare. Oui, t'aurais dû voir des croissants. Tu sais, là, les miettes de croissants. Ah, ben là, c'est sûr, si vous mangez dans vos chambres, les filles. Donc, toutes mes jerseys, auto, patch, c'est tout. McKinnon, Monahan, Nikushkin, Jones, Hertel, Forsberg. C'est tout à vendre présentement. Je n'arrête pas de collectionner pour autant. Mais je dois faire des choix. Je dois limiter. Non, mais ça c'est pas grave ça. Ça c'est pas grave. Parce que j'ai le droit moi aussi d'exister dans cette maison-là. Mais c'est ça. Je dois concentrer ma collection. Puis en même temps, j'ai des obligations, donc j'ai des choses à régler. Alors voilà. J'en profite aussi. J'ai ça. Donc, le set complet des Redemption, Rookie Redemption 2012-2013 dans l'Artifacts. On parle 229, 231. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Il va falloir que je recheck mes affaires. Il y en a 42. Les 30 équipes et les 12 wildcards. Donc, Gallagher, Galchenyuk, Yakupov, Huberdeau, Schultz. On va en dire au hasard. Stéphane Matteau, Mikael Granlund, Tyler Toffoli, Brock Nelson, Tarasenko, Tom Wilson, Gallagher, je l'ai nommé, Mrazek, Nathan Beaulieu. Donc, ils sont tous là-dedans. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse. Ok, j'ai fait une gaffe l'année que les Redemption étaient sur eBay. Je pense que ça m'a coûté quelque chose comme 1600$ de... avec le shipping et les achats. Là. Mais je pense au total du BV, ça va à peu près 800$. Donc voilà, si quelqu'un s'intéresse, je prends les offres là-dessus. Je peux toujours les échanger à considérer. Alors voilà, sans plus attendre, je vous laisse aller manger. À l'heure que vous allez voir la vidéo, je vous laisse aller vous coucher. Comme je disais tantôt, bon week-end et à une prochaine fois. De toute façon, je dois écrire à la personne qui m'a envoyé ça pour montrer les dommages. Salut, bonne fin de semaine.